Salut à tous, c'est Jack et on se retrouve donc pour cette troisième vidéo sur le jeu de London 2012 sur PlayStation 3. Donc voilà, donc j'avais fait une première vidéo sur l'athlétisme, la deuxième vidéo sur la natation et maintenant je vous présente les épreuves de tir et de gymnastique. Pardon. Donc là on fait du 25 mètres pistolet vitesse. Une épreuve qui est assez dure, je trouve, parce que c'est, il faut vraiment viser très rapidement. Il faut viser rapide et bien. On va voir, donc là on a 8 secondes pour tirer 5 plombs. Donc voilà, on a le curseur. Ouh, un petit 10. Ok, et puis la magnimité, je trouve qu'elle est assez bizarre quand même. Et donc 43. Alors généralement quand vous faites un score au-dessus de 40, c'est déjà bien. Bah, pour moi c'est déjà bien, je trouve. Donc après vous verrez, le temps va se raccourcir et ça va être encore plus chaud. Voilà, bon, j'ai un peu merdé le premier tir. 42, ouais. Bon, je suis quand même loin des premiers, hein. C'est vraiment dur, hein, pour amener dehors sur ce type d'épreuve. Alors quand vous avez ça voilà. Et quand vous avez ça sur la campagne des Jeux Olympiques, j'ai mis 4 secondes pour faire 5 plombs, c'est-à-dire que je dois tirer plus vite qu'une seconde, quoi. Puisqu'il y a un trophée qui est d'avoir 20 médailles dans une campagne. Et la seule campagne qui vous permet d'avoir plus de 20 médailles, le moyen d'avoir cette épreuve. Donc il faut louper aucune épreuve. Ce qui est absolument faisable. À moins vraiment de tricher, j'ai vu sur internet, et de couper la console à quitter le jeu quand vous voyez que vous n'avez pas réussi, quoi. Autrement, voilà, je suis en retard. Et autrement, donc le difficile là vous propose 28 épreuves, donc là vous avez plus de marge. Mais il y a des épreuves, on n'est pas forcément très très bon. Et voilà. Donc c'est relativement chaud. Donc là on a vu que j'ai fait 5ème. Dernier tir, je me suis un petit peu cuté. Et bon, c'est pas vraiment l'épreuve que j'aime le plus. Et on arrive sur une épreuve. Le skit, c'est le skit ou le skip, je sais jamais. Je sais plus. On va attendre. Le skit. Là. Le skit femme. Cette épreuve est apparue donc dans Athènes 2004. Et c'était relativement chaud. Je n'arrivais pas, je n'aimais absolument pas cette épreuve là. C'était pareil pour Pékin, il me semble qu'il était là, c'était injouable, moi j'y arrivais pas, et là, miracle, sur ce London, j'y arrive super bien. J'ai loupé un tir, je crois, sur une série. Donc là par contre, j'ai me concentré parce qu'il faut quand même rester bien concentré sur la trajectoire. Allez, c'est parti. Voilà. Avant, sur Athènes, on était sur les trajectoires, on pouvait pas sortir de cette trajectoire là, maintenant là on est en visée libre. Donc c'est un petit peu plus chaud, mais lorsqu'on connaît un petit peu les trajectoires, maintenant ça va relativement bien. Voilà, et on attend là. Voilà, nickel. Quand on. Bon, la première fois j'arrivais absolument pas. Après, lorsqu'on connaît maintenant un petit peu les trajectoires des plateaux, disons que ça s'appelle des plateaux. Voilà. J'ai dû la taper sur le côté. Donc ces plateaux là qui font quand même un diamètre de 12 cm. C'est pas énorme, hein. Ah, trop tôt. C'est pas grave. Donc une française qui a eu donc la médaille d'argent sur cette épreuve là. Non, de bronze. C'est de bronze, il me semble. Oui.
parce que c'était l'italienne qui a fait quand même 99 tirs sur 100. Ah, trop tôt, j'ai merdé là. Ah là là. Bon, je ne battrai pas mon record personnel, mais bon, on n'est pas là pour battre les records, on est là pour vous montrer les différentes épreuves. Parce que c'est des épreuves, voilà, comme le skit, qui, je trouve, on les voit pas beaucoup sur Internet. Oula, oh merde, j'ai pas fait gaffe. Pardon, excusez-moi, je vous quitte, mais j'ai plus de batterie sur mon portable, parce que j'enregistre sur un ordi portable. Alors excusez-moi, je fais les petits changements imprévus, hein, c'est du live. Voilà, c'est bon, heureusement que j'avais mon câble à côté de moi. Voilà, donc pardon pour cette petite incident. Donc oula, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu arriver. Donc là, pour ceux toujours qui s'intéressent au trophée, donc sur ce poste 4, il faut réussir le 100%. J'étais déconcentré là, je suis sorti pour mettre le câble, alors je suis plus dedans là. Je vais me concentrer. Up next, the double. Ah là, c'est bon. Donc ça, le kayak, l'aviron. L'aviron, je savais absolument pas, j'étais surpris de voir qu'il y avait l'aviron. Quand j'ai vu l'aviron dans le jeu, j'ai été surprise. C'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup. Donc c'est pour ça que moi je fais des. Voilà, je fais des vidéos pour tout vous montrer. Les étapes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire une liste des épreuves, etc. Donc voilà, donc ça au moins vous aurez les principaux. This is the double. Ah là, je merde quand même pas mal, hein. C'est bon. Allez, celle-là, je sais que celle-là, elle part vite. Voilà, c'est bon. Vraiment, avoir un temps de réaction. Ouais, puis bien trouver les trajectoires. Souvent, j'ai les plateaux, mais vraiment à 1 mètre du sol. Hein. Ah là là. Je savais que là j'étais mal parti. Bon, on est en tête, c'est ça qui est bien. Bon, après, tentez tout pas, hein, c'est pas le. Ah là là, je suis pas concentré. Normalement, c'est plateau, je les ai. Allez, les deux derniers. Ah, trop tard. Là je craque, hein. Et bon, c'est sûr que parler et jouer en même temps. Et puis là, bon, bah, pour enregistrer, parce que moi je n'ai encore pas d'HD PVR, etc. Donc j'enregistre en SD. Donc forcément, lorsqu'on joue en SD sur des gros écrans, je joue sur un écran LED, ça déforme un petit peu. De toute façon, vous le voyez à la vidéo, les écritures ne sont pas très lisibles. Ils sont un petit peu flou, etc. Et le jeu est un petit peu comme ça. Et donc, c'est loin d'être une excuse de ma performance, hein, mais voilà. Donc, c'est sûr que quand on joue en HD, c'est quand même plus facile pour viser le tir à l'arc. Alors, une étape phare, hein. Dans les jeux olympiques. Et là, je trouve que le gameplay était vachement simplifié, mais tellement efficace. Hein. On a notre joystick droit, on tire, voilà. Et le joystick gauche qui nous sert pour viser. Et là, on a juste à placer, et là, boum. À lâcher le joystick droit pour simuler qu'on lâche la corde, et voilà. Il n'y a pas de. Alors, petite astuce, vous voyez, je tire pas toujours ma première flèche, j'attends, parce que vous voyez, le vent change de direction. Et lorsque c'est du 1 comme ça, voilà, là, faut pas hésiter à tirer tout de suite. Quand c'est du 1 ou du 0, voire du 2, je tire, parce que après, ça risque de changer. Ça risque de changer, comment je veux dire. Plus rapidement. Donc là du 3. Merde, je me suis un peu cuté là.
Let's have no more to the total for that, Eric. Allez, on se reconcentre. Donc là, du 1. Donc du 1, faut taper dans le joule. Tout ce qui est 1, 2, faut taper dans le joule. On a du 1. N'importe quel vent. Alors bien évidemment, il faut tirer un petit peu plus haut quand même, parce que on a quand même le poids de la flèche, donc qui va à la gravité quand même, qui est légèrement simulé quand même dans le jeu. Donc, il faut prévoir ça. Donc là, 5, il faut taper bien là. Voilà. Bon, après c'est sûr qu'au début on se dit 4 ça représente quoi, etc. Après à force de faire des lancers Donc j'ai réussi à faire le centre, le son de centre. Parce que ça m'a fait un... Ça m'a fait un trophée. On a 29, là je reste bien régulier. Donc là normalement je devrais gagner. Donc voilà, donc quand vous avez des flèches, quand vous avez le vent qui vient du dessus comme ça, ne tapez pas trop parce que vous avez quand même, comme je vous ai dit, le poids de la flèche qui va de toute façon vous faire descendre la... Oula, mais j'ai limite... Donc il y a une épreuve, il y a des défis hein, dans ce... Il y a des défis, un défi où on est au tir à l'arc et il faut tirer le plus de... Bah, faire le plus de pain possible en 60 secondes, je crois. Donc les flèches restent et souvent en fait vous faites comme Robin des Bois, vous déchirez la flèche en deux comme ça. Et le commentateur il dit ouais, il dit Robin des Bois. Oui, parce que je sais pas si vous l'entendiez bien, mais les voix des commentateurs sont en anglais. Alors bah, le jeu est tout en, est en intégrité en français, mais les voix sont en anglais. Bon, ça aurait été un plus d'avoir un speaker en français, mais voilà, bon souvent il, pour vous parler franchement, il me casse un peu les couilles. Surtout quand il parle avant les départs. Et souvent il parle, on n'entend pas bien le tir quoi. Et souvent voilà, on a une seconde ou. Ah même pas. Voilà, un petit temps de latence avant qu'on ait fait sur le but. Donc voilà pour les épreuves de tir, donc il n'y en avait que deux. Maintenant on passe pour les épreuves de gymnastique. Donc on a perdu les anneaux. On avait les anneaux, il me semble qu'on avait dans Pékin, on avait le cheval. Non. Le truc où les gars ils tournent au-dessus là. Je sais pas comment ça s'appelle. Non, moi je vais pas faire du 2 parce que... À moins qu'on essaye. Voilà. Ah non, je suis bête, c'est le trampoline. Oui. Donc là, on prend de la vitesse. À de la hauteur, quoi. Voilà, et dès que le coureur... Donc là, je me suis cuté. Voilà, c'est déjà foutu. Je vous dis clairement... Ouais, c'est chaud là. Donc on a un temps pour faire tout ça. J'aurais pas le temps de faire. Allez. Well, if he's going to get some points on the board now, we need to see more tricks from him. Oh, he really chaud, executes tout d'un coup, quand même. Beautifully. Well, he needs to get the tricks in now to get some points on the board. Entrer dans ma course. Executes that perfectly. This really could be his day. Bouncing up and down, just not good enough. It's the tricks that'll get him the points. Bon, j'ai fait 7 sur 8. Ouais, je sais pas s'il est content. Ouais, il est content, ça va quand même. Mon trampoline, j'aime pas trop. C'est pas l'épreuve que j'affectionne particulièrement. Appuyer sur des boutons. C'est pas top. Ah, je suis deuxième quand même. J'ai eu une médaille quoi. J'hallucine. Bah voilà. Et donc, dernière épreuve. Le saut
il me semble. Le saut féminin, voilà. Confirmé. Ah, c'est pareil. C'est des trucs que je n'arrive pas. Donc là, il faut appuyer sur, on appuie sur une touche. Là, je sais pas, il y a des points. Je sais pas, l'hôtel pleure, mais pourtant j'ai bien réussi mon saut, non, on dirait. Si on regarde. Comment on saute, hey. C'est ça que je comprends pas, quoi. Après, j'ai peur de me taper un putain de saut. Voilà, je vais taper un putain de saut. Bon, c'est pas grave. Ah, j'aurais pas été dans le... Oh là là, franchement, c'est, moi j'aime pas les preuves là. C'est chiant, c'est... Voilà, cinquième, bon ben voilà. Ça c'est fait, donc voilà. Normalement c'était la dernière épreuve de cette vidéo. Voilà, donc c'est la dernière épreuve. Et donc on se retrouve pour la dernière vidéo. Et je pense que c'est les épreuves qu'on voit le moins dans en vidéo, donc sur YouTube. Donc ce sera... le vélo, le kayak, l'aviron et le beach volley. Donc on se retrouve donc pour cette prochaine vidéo. Ciao ciao.